Bon, salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo dans la tour d'entraînement qui est un mode de survie à 5 où chaque stage a un boss. Bon, là, on commence avec Zabuza qui est le plus simple. Faut avoir 100 000 de puissance au minimum pour l'affronter. Donc après, on va tomber contre Gaara. Lui, c'est 150 000. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc n'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et je vous laisse avec le fight. Bon les gars, me revoilà. Ce niveau en soi, il n'est pas dur, mais il est long, comparé au quatrième étage. En fait, ce qui est bien avec ce mode de jeu, c'est que tout simplement, il faut toutes les classes. Il n'y en a pas une qui doit être mise à l'écart.
Ok. On enchaîne le troisième niveau. Celui-là, je crois que c'est les quatre gars de comment ils s'appellent déjà? Les quatre pendant l'arc du sauvetage de Sasuke, ceux qui ont la marque maudite, j'ai oublié. Et juste après, c'est Kimimaro. J'ai complètement oublié leur blaze. Ils sont un peu galères, donc cela va nous prendre un peu de temps parce qu'ils nous stun, ils font énormément de dégâts de zone. Et nous charme également. Nous stunt. Donc il faudra éviter un maximum leur sort. C'est un peu le son parce que je trouve un peu fort. Vas-y, go. Ah voilà. C'est quoi Tsatsuya? Kidomaru? Jirobo. Là, ils se sont mis en mode auto, mes coéquipiers, donc ils se sont vite fait buter. Et en plus, ils n'ont pas mis les partenaires, les aides alliées. Donc, ce qui fait qu'on galère. Je sais pas avec leur niveau si on va passer le prochain niveau. Enfin le prochain stage plutôt. Parce que là il a fait défi le boss. Sans utiliser les partenaires, ce qu'il fait. Enfin, les partenaires. En fait, on a une aide des alliés qui nous permet, des PNJ comme Temari, d'autres partenaires, qui nous permettent de faire plus de dégâts, d'avoir des buffs supplémentaires, etc., etc.
Mais ça, c'est impeccable. J'ai eu un fragment de Gaara. Bon. Là, vous allez voir la difficulté qu'on va avoir pour battre Kimimaro. 500 000 de puissance. Ok. Ok. On saute ça. Comme je vous dis, Kimimaro, c'est vraiment un boss galère. Voilà, il y en a une qui est morte. Parce qu'il attaque pendant qu'il utilise le bouclier. Et il a la même compétence que Neji, il renvoie les dégâts.
Il est en mode auto, je crois, Kane, le chef du groupe. Il fait n'importe quoi le chef du groupe là. Des fois de suite, il n'utilise pas les supports. Voilà, là, il a déployé un partenaire, ça sera plus simple. Merci.
Comme je vous ai dit, ce niveau est très très chaud. S'ils font que foncer dans le tas, on pourra pas passer ce niveau en fait. Ils sont débiles parce que si on n'arrive pas à passer ce niveau, si on n'arrive pas à passer ce niveau, ils pourront pas passer le prochain niveau. Bon, allez, go. Il était dans ma zone, donc je me suis fait buter. De toute façon, la vidéo elle va s'arrêter là parce que 4 fois le quatrième stage là, ça c'est fatigant, c'est fatigant. Ils n'y arriveront pas. Ils foncent trop dans le tas. Au moment où je les soigne, lui j'ai son bouclier, ce qui fait que eux ils sont collés à lui et moi je peux pas les soigner. Vu que je prends les dégâts de son bouclier.
Une récolte commence à prendre cher là. Ça va être un jeu. De toute façon, je sais qu'on ne pourra pas passer au prochain niveau. C'est sûr qu'on dès celui-là, qu'on galère. Il lui reste 10 millions de points de vie là, 10 millions d'HP. Il est 200 mid-life. On voit qu'il lui reste plus de mana, ça va être tendu. Bon, ils ont sur les mid-life, mais ils sont quasiment nos mana là, ça va être tendu, nos chakras. Un peu moins de 9 millions de points de vie. Arrive, si là il se fait stun maintenant, il meurt. Il meurt instant, il va prendre du 94 de dégâts. Cette vidéo, elle sera très 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 longue. Enfin, très longue. Encore 5 voire 10 minutes. Voilà, c'est bon, elle va crever. Il y a moyen qu'elle crève. Ouais, c'est bon. Elle a plus de chakra. Soit elle utilise. Ouais, c'est bon, elle va mourir, elle va crever là. Vu qu'elle a pas de potion.
Bon, la vidéo, elle s'arrête là, les gars. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de me dire ce que vous pensez de ce mode de jeu. Allez, ciao tout le monde. Peace.